Hey, salut tout le monde, ici. Oui, Magic Only. On est évidemment sur Borderlands 2, comme vous le voyez, ça fait un très long moment qu'on n'y a pas été. Sauf que là, en fait, on voulait vous montrer le nouveau DLC qui est sorti pour nous hier, le temps que Bromage mette à jour. DLC qui s'appelle... Alors attends, que je dise pas de conneries pour dire bien en français. L'assaut de Tiny Tina sur l'antre du dragon. Même pas fait de faute. Et on s'est dit, allez, on va faire d'une pierre deux coups. Vous nous l'aviez fait remarquer plusieurs fois. Oui, maintenant on peut jouer avec le mode chasseur ultime 2, il y a 11 niveaux de plus, etc. Ouais. Le problème c'est que en démarrant là, évidemment, on se retrouve au début du jeu. Donc nous on va pas le faire là en vidéo, évidemment. Pour nous, ce qui compte, c'est d'aller voir le DLC. Mais quand même, on voulait vous montrer ce début parce que. Vous arrivez, vous avez déjà des mobs qui semblent loin d'être si nasses que ça. Alors évidemment, Bromage, il les aligne avec son snipe, mais bon, quand même. Quand même. Bon, c'est parti, mon mode. Et c'est l'occasion aussi pour nous d'expliquer un peu ce qu'est ce mode chasseur ultime 2. Donc c'est venu avec le DLC, si on peut appeler ça, qui a rajouté niveau, qui s'appelle, je crois, Vault Hunter Pack, un truc comme ça, qui est inclus si vous avez acheté le Season Pass. Et qui permet donc d'augmenter les niveaux. Alors il faut savoir que dans ce mode là, les ennemis auront le niveau du joueur le plus élevé du groupe. C'est-à-dire que si jamais vous êtes 45, vous prenez avec vous un mec niveau 52, vous allez vous retrouver avec tous les mobs au moins niveau 52. Donc attention quand vous faites ça. Autre chose aussi à savoir, les ennemis sont évidemment plus durs, puisque c'est un nouveau niveau de difficulté plus élevé, mais pour compenser cette difficulté, ils ont rendu le slag plus efficace. Donc, vous savez que pour ceux qui me suivent depuis le début, moi j'utilise toujours la slaga, ça devrait aider. Plutôt bien, ouais. Donc là on va retrouver un Murloc. D'abord l'attaque des bandits du capitaine Flint et ensuite Claptrap surgit. J'ai dû être horriblement cruel envers des bébés chiots dans une vie antérieure pour mériter. Toujours aussi énorme. Ah oui, ça c'est clair que... Puis c'est quand même bien de se dire que on est le 26 juin pour nous, mais bon, le DLC est sorti hier, si vous voulez, et que ça fait je sais plus combien de mois maintenant, enfin voilà, le jeu est sorti en septembre dernier, et qu'il sort toujours du contenu, et c'est presque un jeu où les DLC sont meilleurs que le jeu de base, quoi. Parce qu'ils sont vraiment originaux, c'est des trucs originaux, pardon. C'est vraiment des histoires à chaque fois inédites, quoi. Bon, il y en a eu quelques-uns qui étaient faibles, que j'ai pas trouvé si... excellent que ça. Par contre celui-là, l'assaut Tiny Tina s'annonce vraiment... ça nous donne vraiment envie d'en vraiment, faire vraiment frère, ouais. Intéressant. Faire du role-playing à l'intérieur d'un jeu, c'est déjà un truc de fou. Puis jouer du Donjon et Dragon... C'est vrai que je mets pas ma tourelle, moi j'ai trop l'habitude de jouer à Sirène. Et parce que pour ceux qui suivent le Twitter, j'ai vu qu'on avait essayé de faire mettre, et qu'on s'était fait défoncer, mais vraiment défoncer. Ah, il y a des gardes. Vous voyez que la reprise est très difficile. Enfin, j'allais dire surtout pour moi. Je sais pas comment s'en sort pour moi, mais ouais. C'est dur. Ah ouais, mais je galère. Je vais peut-être devoir refaire mes maîtrises, moi, dès qu'on pourra. Oui, moi, c'est pareil, je pense. Parce que je devais être en mode survie, là. Je suis pas en DPS. Là, j'arrive pas à récupérer ma tourelle. Que j'ai une dette envers toi à présent. Venez me voir, que je rende la vue à Claptrap. Je dois d'abord désactiver cette barrière électrique. Restez en arrière, chasseur. Bon, j'espère que ce sera pas trop long avant qu'on puisse accéder à un TP. Je crois non. Je crois qu'il doit y avoir encore une quête ou deux, je sais plus. Du coup, ça sera l'occasion pour nous, en attendant d'être vraiment dans le DLC. Bon, ça, on va la passer, hein, vous l'avez déjà vu. Si je peux la passer, d'ailleurs, parce que je sais même pas... Ah non, on peut pas. On peut pas. Chasseur érudit, homme de goût. Il a un verre pété, quand même. Hein. Eh bah oui. Mais les hommes du capitaine Flint m'ont piégé sur ce glacier. Merci beaucoup de leur avoir mis une raclée. Survivre à un affrontement avec le gros Jack et chasser les bandits du capitaine Flint, c'est du jamais vu. Moi-même, je me rendais à Sanctuary. Si vous voulez mon avis, les pillards écarlates auraient bien... Tu vois les armes qui vendent.
Ah oui, tiens, je te donne le robot, histoire d'aller plus vite. Oh, toutes les armes de ouf qu'on avait gardées, qui valent plus rien maintenant parce que ça. Ah merde, 50. C'est... Ah non, c'est toi, c'est moi qui peux le donner ça. Est-ce que ça marche là? D'utiliser la vue? Non, même pas. J'ai voulu essayer pour voir. Non, ça sert à rien. Je sais plus, mais il y en a un qui faisait un succès. Je sais plus c'est quoi. Je suis vivant. Juste ciel, il part à nouveau. Sbire, maintenant que j'ai retrouvé la vue, dis donc, t'es encore plus moche que dans ma mémoire. Quel enfoiré. Il y a écarlate à Sanctuary. Ici, il y a que des tueurs et des attardés. Comme ceux à Murloc, par exemple. Je suis juste là, mec. Maintenant que la ville est plus sûre, je peux rétablir l'alimentation principale. Ce lieu propose bien des choses qui peuvent être utiles aux assassins de votre acabit. Allez, vas-y, Spire. Ouais, Spire. Ainsi donc, notre vaillant leader en a après vous. Un homme charmant, n'est-ce pas? Il déblatère des âneries sur la pacification des contres sauvages. Il est sa paix partout. Il a pas déjà des hommes. Mais si, il y en a un normalement là. C'est quand on remet le courant que ça active la carte. Oh, mes excuses. Je sais plus, on va voir là si ça active ce truc de... Non, là on a le TP, non, qui s'active. Là. Est-ce qu'on peut juste l'utiliser? Eh non, il n'y a pas le courant. Et si, on peut y aller. Ah bon? Si, si. Ah bon. Là on peut aller au DLC. On valide quand même la quête, quand même, histoire de dire. Ouais, la quête. Ou pas d'ailleurs. Si, bon, si ça fait de l'XP. Faudra se souvenir de revenir là si on veut faire la suite. Chasseurs de l'arche qui jouaient à un jeu. On ferme notre gueule. Le monde est à deux petits doigts de l'apocalypse. Tout espoir semble perdu. Si on ne se défend pas, là tout de suite, on va tous mourir. Alors lancez. Pour l'initiative. L'initiative? C'est pour savoir dans quel ordre on joue. Je la cogne, l'initiative. On en est où? Je pensais complètement à autre chose. Tina, et si tu recommençais? Bienvenue, mesdemoiselles, à votre toute première session du jeu le plus cool du monde, Bunker et Brutas. En tant que maître du bunker, c'est moi qui aujourd'hui tisse les fils de l'histoire et... Attends là, pourquoi on joue à ce jeu de gamin? Oh, touché parce que ferme ton clapet, mordi! Tina, enfin, elle a raison, ferme-la. Pendant que nos poteaux chasseurs réduisent en purée ce pauvre informateur d'Hyperion en bas, je me suis dit qu'on pourrait jouer. Bien, choisissez votre personnage. On a la micromancienne, le commando, la sirène... La sirène. Prums, ma sirène, elle s'appelle Brick, et c'est la plus jolie. Tina, si on commençait la partie et on avisait plus tard? Allons, allons, tu sais bien qu'on doit attendre Roland pour commencer. Tina, Roland... Tu sais bien qu'il ne viendra pas, hein? Il est... Il n'est plus là. Ouais, je sais pas ce qu'il fout, il est en retard. Bon, on commence. Donc, comme je disais... Lancez pour l'initiative, loser! Ah bah... Perdu, c'est la forteresse du dragon, le titre français. Vous arrivez Fuck. Sur les quais de Flamrock Refuge. L'endroit était plutôt agréable, jusqu'à ce que le beau sorcier ne vienne tout saccager. Je propose qu'on aille en ville pour enquêter. Regarde l'arc-en-ciel. La journée radieuse à Flamrock Refuge, ouais. À des années-lumière de... Tu viens de dire que le sorcier avait saccagé la ville. Comment la journée peut être radieuse? Je... Écoute la musique un peu. Il fallait bien sûr comprendre, l'ambiance est sinistre. Écoutez la musique. Et une musique inquiétante se fait entendre. Sans compter que ça sent un peu les fesses par ici. Et puis le cadavre. Ça sent un peu les fesses... et le cadavre. C'est de l'humour de gamin de 3 ans, mais ça nous fait toujours rire, putain. En fait, c'est l'humour Borderland, en fait, enfin, c'est... Comment ça, il résiste au feu, cet enfoiré? J'ai que des armes de feu, moi, presque. J'ai une arme électrique. Durant ce lag, moi, je vois.
Ouais, c'est bon, tatouage, j'ai fait le ménage. Ah, il faut du corrosif pour les squelettes. Merde, quel con. J'ai changé de fait mes armes. Je me demandais pourquoi il y avait du feu devant cette grenade. Ah mais je me suis trompé de touche. Oui, 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 c'est pas elle qui nous attaque. Ah là par contre c'est eux. Je déploie la sentinelle. Quoi que je... Bon, ouais, c'est pas... Eh, il me snare le truc, c'est quoi ce nouveau truc? Je pouvais pas courir? Je pouvais pas m'enfuir? C'est comme si j'avais des bolasses autour de moi. Un squelette qui t'a mis ça? Je crois, ouais. Encore des squelettes, fais gaffe. Oh, ils font mal. Alors, voyons voir ce qu'ils ont looté. Graceful Infiltrator. Je vais prendre ça quand même. Mais oui, 51. Ah merde, j'aurais mis ça en mode pour toi, mais c'est en mode vert. Ça sert à rien. Toi aussi, t'es vert. Vous approchez de l'entrée de Flamrock Refuge. Mais soudain. D'accord. Je vais lui cogner dessus. Vous tentez de blesser le dragon, mais vous lui faites rien. Le dragon attaque et... Yeah. Oh, l'enfoiré. Super. C'est bon, c'est fini. Tina, tu peux pas commencer ta campagne par un combat de boss insurmontable? T'as vu toute la vie qu'on a? Bon, allez, ouais. Revenez, les gars. À terre. Voilà, hop, elle nous relève, abusée. Je voulais tuer un truc, moi. Bon, un nouveau boss. Genre un squelette qu'on appellerait Monsieur Kini Tibia Man. Je suis Monsieur Kini Tibia Man. Ça irait? Moi, ça me ravit. Vous êtes canapés. T'as une arme très dure ou quoi? Je t'ai vu lancer un truc. Ouais. Mais il est pas mort lui. Tiny Tibia Man. Ouais, succès, ouais. Alors, je sais pas si t'as vu le loot qu'il a laissé. Ah non, non. Genre, c'était un... Tu te rappelles, on avait vitalité 50. Là, il a laissé tomber un 41. Ah ouais, alors ça veut dire qu'après... On va avoir des super trucs, je pense. Maître squelette. Carrément, je les touche, ça leur fait pas de dommage. Le corrosif, ça leur fait vraiment aucun dommage. Ah ouais, pareil, j'ai été Corrosif fait vraiment aucun dommage, du coup. On va rester en... Ouais, t'es ralenti par un mec qui t'a fait contre. Ouais. C'est que son bouclier est chaud, lui. Faut vraiment taper avec lui. Wesh.
Ça fait bizarre de texer avec ces persos. Ouais. Oh, il y a vitesse, vu que j'avais tué d'autres, c'est abusé. Je tirais trop vite. Je me suis trompé de touche, en plus, super. Ça ouais, l'électrique, ça leur fait super mal. Je vais mettre en full électrique. Je me trompe de touche, hein, j'ai plus l'habitude. Ah, mais moi, c'est pareil, je fais nimp. Je suis devenu un handicapé sur le jeu. Alors, je vais quand même garder cette arme là. Ah putain, ça arrive bien, c'est vrai. Hop. Ça comme snipe, voilà. Ça, je suis toujours OP. Oh là, squelette brutal ultime là. Oh là, t'es sérieux? Déjà? Ah ouais. Ouh! C'est quoi ça? J'ai enlevé son bouclier, je crois. Non, pas encore. Si, mais tu sais, sa barre de vie, je veux dire, non? Ah oui, il en avait un. Oh, mais il s'arrête. Il s'arrête là. C'est quoi? Le gars, il nous fait un Terminator. Ah, c'est vrai, mais. Mange. Je peux pas le toucher. Y'a que le slack qui le touche, j'ai l'impression. Ouais, enfin, ça le touche, mais enfin, faut tirer une heure et demie, quoi. Ah, moi, je le touche vraiment pas du tout. Alors pas, quand même. Ah, quand même, si, je suis mort. T'inquiète, finis-le. Wow. Ah non, le mien est mieux. Ah, j'ai plus de tête. Énorme. Oh, un méga coffre là. Bah ouais, il y avait forcément un truc. Un slag, je te le laisse si tu veux. Bah non, moi j'ai de la slaga, c'est mieux. Comment on remonte par contre? Bon, comme on ça. On va chercher à voir s'il n'y avait pas un cul de large ou un truc du genre, tu vois. C'est vrai. Merde, non. On est pas bloqué ici quand même. Non, on doit pas remonter. On fait le tour. Ouais, c'est bon, on peut remonter. Ah non, on peut pas. Bah bon, on fait le tour par là, quoi. J'aime bien la musique. Bah c'est... Ouais, ça colle au style, hein. Souriez, vous êtes canardés. Oh, le bug, ma tourelle. Elle a tapé sur toi, elle est... Putain, elle s'est mise vachement loin derrière, du coup. J'ai vraiment pas encore les frapper en fait, qu'est-ce qu'ils font. Pff, moi je te dis, je fais du slack, ça marche, mais bon. Comme c'est les munitions quoi. Et ouais. Est-ce qu'ils résistent au feu parce qu'ils ont pas de chair? On sait que du coup si tu les slags, enfin ils résistent pas trop au feu mais. Tu vois je leur fais rien comme dommage.
Et leur bouclier, quand tu tires dedans, enfin, tu fais vraiment aucun dommage, quoi. Ça transperce pas le bouclier, les balles. Oui, ça a l'air vraiment efficace, en effet. Parce que le brutal ultime qu'on a eu, ça lui faisait vraiment rien, lui. C'est pareil. Ouais. Alors, je tiens à rassurer les gens, c'est que j'ai coupé tous les moyens de communication pendant qu'on filmait, sauf que j'ai pas pensé à Google Hangout, du coup il y a quelqu'un qui vient me voir dessus, donc paniquez pas, les bruits que vous avez entendus, c'est juste pour moi, c'est... Ça fait guigou guigou. Ouais, ça fait clang clang. Non, c'est un pote qui vient me voir pour les soldes à tous les coups, ça. En plus, tu sais très bien de qui je parle. Oui. Ça commence par un P. Ah oui. Golem de fer. Ah, enfin du... Bien sûr, j'ai rangé tous mes trucs corrosifs. Tourelle de la mort. Ouais, il a dit ça. Je me prends encore une flèche, je suis mort. C'est bon. Tourelle opérationnelle. Tiens, je l'ai mise entre la tourelle. Hey, je suis mort. Je vais me prendre mon arme dans la gueule. Arrête pas de tirer. En tout cas, je trouve que c'est super beau là. Les décors. Oh là là, encore un brutal ultime. Ça lui fait rien? Ah si, un peu. Va-t'en. Alors, où le taper? Ah, je vais taper dans un endroit que ça lui a fait mal. De lui taper dans le dos. Ouf, son coup là, ça fait super mal. Ouais, je te soigne. Ça attend qu'il te target toi. 5 buddy. Quand je le fais cramer là, ça marche. J'ai l'impression que le corps à corps ça marche bien contre lui. Hein. Mais tant mieux. Là il y a un gros coffre comme tout à l'heure. Encore des armes. Ça a l'air plutôt vide, en même temps c'est elle qui crée son truc, voilà, mais... Enfin, c'est Tina qui crée le décor à chaque fois. Là par exemple, il y a une porte. Ah bah c'est là où il faut aller en plus. Ouais, c'est là où il faut aller. Sauf qu'il y a des ennemis là-bas. Tu veux qu'on y aille ? En plus ils ont l'air de se fighter là-bas, les ennemis. Oui, c'est ça, c'est qu'on dirait que ça se fight. Mais oui, regarde, ils se font taper hein, par un gars.
Ou c'est, ouais, c'est un squelette en fait. C'est ça, c'est un squelette qui se bat contre un golem. T'inquiète, j'envoie la sauce. Pareil. Par contre, il y a un brutal ultime de squelette. Oh non. Je te relève. Oh, deuxième. Heureusement que t'étais là. C'est quand même assez épique là les combats. On dirait un boss de mémo le machin. Ah oui, c'est fait exprès. Wow. Derrière toi, fais gaffe. J'ai éclaté, ouais. Oh, il fait mal. Calmos. Et merde. Je voulais mettre ma tourelle, j'ai même pas réussi. Attends, je vais en tuer un. Non, non, non. Wouah, là-bas c'est quoi? Temple et tout. Par contre, je pense que là-bas on aura une quête plus tard, du coup faudrait peut-être mieux aller à un autre endroit de quête. Et... Truc, ouais, pour le moment. Parce que si un endroit comme ça là-bas, c'est forcément qu'il y aura une quête. On est comme dans le Elder Scroll quoi. C'est Skyrim. Là par contre on peut pas passer. Là on peut. Du coup en plus d'ici quelques temps il devrait y avoir la bêta de... Du Elder Scrolls Online. Je sais plus quand c'est. J'ai même pas suivi ça. Je sais plus s'ils avaient pas dit cet été ou si c'est à l'automne. Si c'est à l'automne, c'est du coup c'est pas tout de suite. Mais si c'est cet été. Je sais plus du tout. En tout cas, voilà, moi je l'avais dit déjà, mais je me suis inscrit. Donc on verra si je suis sélectionné. Ben, je ne manquerai pas de faire au moins une vidéo dessus. Une dizaine de vidéos. Je sais pas, on verra quand le jeu se comporte aussi. Hein. Puis en général, si je suis sélectionné pour une bêta fermée, mais je crois que ça a déjà été fait ça. Voilà, dans la ville de Flamrock Refuge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter de jouer. On devrait parler à des habitants. Une idée remarquable. Mordecai, ils sont, il y en a marre. Il y en a marre, je vais m'en dire. Ouais. Ah oui, donc c'est vrai qu'on a commencé à expliquer tout à l'heure, mais on n'est pas allé plus loin pour ceux qui n'auraient pas trop suivi le jeu. Maintenant, la limite de 100 iridium est levée, comme vous voyez, parce qu'il y a de nouveaux objets, je vais y arriver, à acheter aux marchands. Donc on peut encore pex plus ses coffres, ce genre de trucs, enfin pex. Agrandir le nombre d'emplacements portés dans les sacs, le nombre de munitions portées par tous les types d'armes. D'armes, pardon. Grenades, pareil. Voilà. Une grotte. C'est un dungeon. On peut aller dedans ou pas? Non, non. Ouais, par contre, c'est haut. Hein. Pas tomber. Bah, c'est surtout que comme il n'y a rien, on crèverait. Quoi, parce que c'est vrai que ce jeu, c'est bien. Tu tombes, ouais. Ça te fait rien. Mais... Sauf s'il n'y a rien. Parce qu'on est tombé carrément. Sur de shell. C'est pour ça que ça nous fait pas mal quand on tombe. Fait vraiment village avec PNJ quoi. Ouais. Oh regarde les. Ah oh, les trucs d'armes et tout. Ouais c'est tout. Fait... Ah la musique en plus c'est. Ouais. Ah c'est monde médiéval fantastique là, y a pas de. Pas de soucis.
Mais de toute façon, j'ai toujours trouvé que la musique de Borderlands, c'était c'était un point fort quand même. T'as vu que c'est un défi d'éclater citrouille? Ah non. Oh, un skin que j'ai pas, Iridium. Un skin que t'as pas? Ouais, apparence pour courseur, Iridium ça plaît. Ah, pas mal. Statistique, Chantley. Ah ouais, éclateur de citrouille. Oh! Est-ce que tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de ce mec ou pas? Mais c'est pas un des gars avec qui a joué? Si. Mais si, ouais, c'est c'est un des personnages de Tina. Est-ce qu'il parle? Il s'appelle comment? Oui, Sir Gerinald von Bartlesby. Et on va retrouver aussi Princesse Ralatouf à mon avis. Ils vont on peut quoi, rien ils vont lui échanger encore, non? Ils vendent des cristaux? Bizarre. Putain, la musique est vraiment excellente. Ah ouais, là... Bah, ils avaient annoncé que c'était leur... Que c'était le DLC avec le plus de contenu, quoi. Déjà. C'est celui qui sort le plus tard, hein, aussi. Ouais. Parce qu'ils ont mis 5 mois à le faire. Enfin, 5 mois. Il s'est passé 5 mois entre Sir Hammerlock et lui. Parce que Sir Hammerlock, si je dis pas de bêtises, est sorti fin janvier. Et de moche. Ah, je suis désolé pour les bruits de fond, j'ai un voisin qui passe la tondeuse, ou je sais pas, non, c'est pas la tondeuse. Hein. Ouais, mais ça s'entend, j'allais fermer la fenêtre, je crois, parce que... Ça fait vraiment amateur, tu sais, dans toutes les vidéos, les mecs. Ah, bah, je vais fermer la fenêtre. Truc abusé, quoi. Oh non, là, c'est insupportable. Un peu pittoresque. Oh, attends, je te laisse. 2 secondes, je reviens. Voilà, Jean-Michmich va arrêter de nous embêter. Alors, on va aller rendre la quête. On va voir les dialogues improbables qui vont avoir lieu. Improbable et saugrenu. Tout en cherchant pour des citrouilles. Là, c'est possible qu'il y en ait à chaque fois, mais tu les as déjà pété. Il faut retrouver la reine. Quoi qu'il arrive, n'approchez surtout pas des cachots du sorcier. N'approchez pas des cachots du sorcier. Le sorcier. Tiens, un truc pour changer de tête. Ouais. Et viens, on va parler aux machines de la quête. Sans la reine, ce monde restera dans les ténèbres. La reine a disparu. Sa garde du corps, Eleanor, saura peut-être vous dire où elle est. Si la reine ne revient pas, nous ne reverrons jamais le soleil. Je suppose qu'on doit aller trouver cette Eleanor. D'accord. Je sais pas si ça me fait trop penser à Skyrim, hein, par contre, les feux comme ça. Ouais, mais enfin, Skyrim n'a pas inventé des trucs en soi, enfin si, mais il y a beaucoup de codes communs, donc mais c'est normal que ça te fasse penser à ça. Je les explose, ces problèmes. Je lui parle. Dans la peau de mon personnage, bien sûr. Je sais pas si t'as vu le trailer de lancement du DLC, mais... Oui. C'est la reine, elle a disparu. Elle est partie dans la forêt pour ramener la lumière sur le monde. Bon, et où est-elle passée? Elle a parlé d'utiliser l'arbre de vie pour annuler le maléfice. C'est sûrement là qu'elle est allée. Et c'est ainsi que la lumière se fit sur votre objectif. Vous allez devoir aller dans la forêt et aider la reine. Parce qu'à un moment, elle est en princesse Leia. Enfin, en princesse Leia. Le truc qui y ressemble, quoi. Elle est en bikini, je crois. Enfin bon. Vous verrez bien. Je vais voir ce qu'ils vendent dans les shops, par contre. Oh yeah, oh yeah. La magie
La magie, mon cul, ça vaut pas mon flingue. La magie ne peut rien contre une balle bien placée. Mais j'ai rien vu, j'étais allé voir tout à l'heure. Pourquoi choisir une arme qu'il y a rien de bien spécial. Quand on peut se payer un bon flingue. La magie. Est-ce qu'il a rien, lui? Vive la mécanique. À part du verre, là, c'est tout. Ouais. Par contre, moi, je suis plein. Donc je pense à vendre un jour, parce que j'ai 12 millions de trucs. Ouais, c'est pareil, c'est pour ça que je vends quelques trucs, là. Je peux porter que 7 objets, hein. Ça, je le vends, je m'en fous. Moi, j'ai utilisé le skin que j'ai loot. Donc, peut-être que j'irai ranger des objets à la banque ou quoi, entre deux épisodes. Ah, moi, il y a des trucs que je vends, parce qu'il y en a qui sont vraiment inutiles. Ça, je peux te garder, par contre. J'ai failli crever. Quoi? J'ai failli crever, j'ai fait un putain de saut. Hey, mais attends. Il y a des cordes, là. Je me demande si on peut pas monter dessus, parce qu'il y a un mec qui est pendu. Oh, j'ai envie de tester. Où ça? On peut. Oh, t'as fait voler les avions. Ah oui, les... j'ai fait voler des trucs, mais ça... Ça a pas fait de succès. Oh, il y a un truc là. Il y a un truc là. Mais ça sert à rien ce machin. C'est quoi? On dirait des pancakes. Mais ouais, mais c'est quoi? Tu peux faire E dessus ou pas? Défonce-les et donne un coup de corps à corps. Non, ça se trouve, c'est un petit. Pas un secret, mais un petit truc comme ça des devs. Tu vois, ils se sont fait plaisir, ils ont mis un truc. Bah, c'est... Soit ça servira pour plus tard. Ils ont dit qu'il y a des donjons, des dragons et des pancakes. Ah bah voilà. C'est alors. Peut-être leur private joke, je sais pas. Oui, c'est ça, oui. Petite private joke des devs. Qui se sont fait plaisir, quoi. Alors là, à mon avis, c'est un shop pas d'iridium, tu sais, mais de. Oui, il doit y avoir une nouvelle monnaie. Qu'on n'a jamais pu faire, oui. Cristaux séraphins, je sais pas quoi, quoi. Voilà, qu'on n'a jamais pu faire. Je n'accepte que les cristaux séraphins. Cristaux séraphins. Un gardien séraphin au chasseur de l'arche. Et là, nous pourrons parler. Ouais, t'es marrant, toi. Tu es un gardien à deux, c'est impossible. C'est possible, mais il faut avoir des objets cheatés et tout, quoi. Je sais pas comment jouer. Ben, comme je t'avais dit à l'époque, je doute réellement que à la régulière, on puisse tuer un chasseur séraphin à deux. Peut-être avec une sirène dans l'eau, ça doit se faire. Genre un DPS, un heal qui essaye de... Voilà. Mais... au-delà de ça... On avait failli réussir en tuer un, mais... Ouais, le nombre d'essais qu'on avait fait pour ça, quoi. Plutôt que de se casser les dents et de se dégoûter du jeu, on avait préféré avancer, laisser ça de côté. Même si du coup, on n'aura pas fait le jeu à 100%. De toute façon, on voit bien que c'est... On pouvait pas. Puis le principal, c'est de prendre du plaisir dans un jeu. Donc si on farme pour dire on se fait chier, qu'on n'y arrive pas et tout, c'est pas la peine. Ouais, c'est ça. Utiliser, ça fait quoi ça? Ça fait pas grand chose, j'ai l'impression. Ça le fait tourner dans le même sens, mais est-ce que ça remonte un truc? Faut le faire 12 fois, tu sais, puis là t'as un bonus. Vas-y, appuie pour voir si ça monte. Oh le ouf, t'es mort. Même pas. Y'a quoi dedans? Un squelette. Donc c'est rien, c'est juste un décoratif. Je vais mourir. Voilà. Ah oui, là, effectivement. T'as perdu de l'argent, bravo. C'est pas grave. Ouais, on va avancer un peu quand même, parce que sinon... Ouais. 8 heures dans le village. Ça me fait penser à certains films asiatiques ou des ambiances asiatiques aussi comme musique. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ces films un peu bateau où le mec il est en quête de rédemption, qu'il doit apprendre à se maîtriser lui-même. Tous ces films là un peu soi-disant introspectifs et finalement assez clichés. Moi je dis pas qu'il y en a qui sont tous mauvais, il y en a des bons dans l'eau. Enfin.
rien. Ça fait mal, ça, le tout électrique, ouais. Le marmonneur, et j'exige que vous me traitiez avec le respect. Tiens, mec, là, je lui parle. D'accord. Je vais changer de relique, hein. Je vais prendre ma relique de vie, histoire de pas faire chier. C'est de pas crever tout le temps, quoi. Ouais, de toute façon, je ferai des ajustements, comme je t'ai dit, entre deux épisodes. Ouais, ouais. De... Parce que là, déjà, on a traîné. Alors bon, c'est la reprise, si on veut, c'est pas trop un drame. Mais enfin, après, tout ce qui va être changement, peut-être de traits ou trucs comme ça... L'inventaire à vérifier, repartir sur de bonnes bases, je le ferai hors caméra pour pas gêner les gens, ce qui est logique. Même si je pense qu'on me dit « Ah mais vas-y, t'as mis quoi comme truc ?» Comme au début, tu te souviens, le nombre de requêtes, c'était incroyable. Et Brumage, il a équipé quoi avec son zéro, et toi, t'es quoi? Maintenant, je pense que c'est moins le cas, parce que les gens ont joué, se sont habitués aux classes. Ouais, ils jouent mieux que nous. Oh bah oui, ça très certainement. Closed for your safety. Ouais, sauf que regarde. Ah non, ça sert à rien. Je pensais que ça ferait venir un ouais, truc. Pareil. Tu vois. Que ça pèterait, que ça activerait un mécanisme ou quoi, mais non. Tu veux la tenter, toi, t'es ouf. Non, non, je vais pas sauter. Que autant il y a un truc invisible. Mais non. Ah, si, toi, t'étais devenu invisible. Ça a bien marché. Oh là 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 là, je fais tomber moi. Eh mais ça repousse, d'accord. Ouf, l'enfoiré, je me disais bien aussi, je comprends pas. Il y avait un mur invisible. On est parti pour aller dans la forêt. En effet, la reine est partie dans la forêt. C'est dangereux, vous ne devriez pas y aller seul. Je vais vous accompagner. Oups, on fait une pause, faut que je réponde. Abusé, non, pas l'autre malade. Ok. La faute est Giadonf. Oh. Alors il va falloir me prouver votre brutasserie pour que je vous laisse passer. Première mission, faire sauter les ballons de surveillance du village avec une arme incendiaire. Parce que... Je l'ai décrété. Putain, mais quel gros bœuf, quoi. C'est quoi les ballons de surveillance? C'est ces trucs là-bas? Les dirigeables sont trop loin pour être détruits avec des balles. Oh là là, mais vous parlez d'un casse-tête. Bah, il nous faudrait des boules de feu. Si on est dans un... Attends, regarde là-bas, regarde, Il nous faudrait un pouvoir boule de feu, ouais. Ah, regarde, tonneau incendiaire là-bas. Regarde ça. Regarde ouais, c'est maintenant que ça marche, et ouais. Faut trouver l'autre, de l'autre côté. Ouais, mais c'est... Ouais, bon, on l'avait vu. Oh, mais c'est le début. Ça va se corser après. Déjà, les combats... chasseurs. Les combats, ils sont pas si évidents que ça. Et ouais, on voit hein, qu'on met beaucoup plus de temps à les tuer, hein, quand même. Hein. Et pourtant, moi, je tire qu'en slaguer. Hein. Et pourtant... J'ai la tourelle Slager plus la... Ah bon, on va peut-être pouvoir s'amuser, là, c'est le... Y'a pas de manivelle, là? Ah non, c'est encore le... En fait, voilà à quoi ça servait, ces trucs-là. On a détruit le seul moyen pour le village de repérer les menaces. On n'avait aucune raison de faire ça. Très bien. Mission de brutasse numéro 2. Rendez-vous à la taverne. C'est vraiment un baiser celui-là. Ça fait, il est gentil. T'as presque trouvé toutes les citrouilles quand même. Ouais, il en manque plus qu'une à détruire. Ça doit être caché.
Mais attends, il n'y a pas de taverne dans la ville. Ok, vous êtes à la taverne. Ok, il a fait spawn la taverne. Oh, Moxie. Oh oui, Moxie, ma chérie, viens voir. Oh, oui. Ah oui. Tu nous as manqué, si tu savais. Oh putain. Elle vient de spawn. La regarde pas, la regarde pas. Faut bien fouiller pour trouver, et au final, on est juste déçus. CMB. Comme ma bite. T'as vu le rire du mec à droite? Même aux Inorks. Oh. Tu sais, dans sa vidéo, ouais, avec Schwarzy et tout, elle a abusé. Je l'ai dit CMB là. J'ai bien parce que moi, j'ai pas compris tout de suite. Et toi, le gars trop habitué, va comme ma bite. Tout de suite. C'est un truc légendaire. Hé, hey, l'aventurier, on va bientôt fermer, mais ces crétins n'ont pas l'air de comprendre. Tu pourrais les mettre à la porte pour moi? Hésite pas à employer la manière forte. Il va falloir les buter, tu vois. Attends, parler. Non, t'entends comment il parle? Je suis montré comme un monstre de l'arche. Gros lourd du bar, excellent. Ta mère. Non, t'aurais dû lui laisser parler. Moi, je l'ai mis un coup dans la gueule, voilà. Maintenant, toi, tu parles. Bah, trop tard, il a dit je suis monté comme un monstre de l'arche. C'est bon, désolé. J'arrête de jouer les gros lourds, c'est promis. recule. Rattrapez-le. Oh putain. Rattrapez-le jusqu'à ce qu'il explose. Ah, mais il est parti où? Ah. Le frapper tellement fort qu'il explose. Non mais c'est n'importe quoi. C'est gamin de 6 ans le truc, tu sais. C'est lui là? Ah non. Non, le gars il s'est déjà TP à l'autre bout, tu sais. T'inquiète, moi je vais le rattraper. Je vais mettre un coup d'invisibilité, tu vas voir. Regarde l'exploser là. Et ben voilà, j'avais trouvé la citrouille, tu l'as trouvé. Explosion d'éclair. Ah mais c'est pour ça, t'as pété la citrouille devant moi quoi. Moi je m'amuse. Regarde, il y a une corde là. Ah ouais, c'est pas vrai. Bon. On va peut-être y rentrer dans cette forêt. Histoire qu'on coupe pas l'épisode avec juste 3 failles de merde. J'avoue. Tu me diras le début, je pense pas que. Mais apparemment il y aura des donjons et tout, enfin ça va être un truc de malade hein. Ouais, c'est pour ça, je me doute celui-là ça sera pas le plus passionnant pour les gens, mais c'est pas grave. Il faut bien commencer hein, de toute façon. Putain, mais la tête qu'il a torgue, regarde hein, quand même. Il a une vieille stache mou avec sa. Oh, il a une sale race hein. La même tête qu'avant, j'ai envie de te dire. Par pitié, débarrasse-nous de lui. Ok, c'est pas faux. Monsieur Torg, vous êtes envoyé au pilori. C'est trop cool. Enfin, moi c'est... Il avait une quête, hein, quand même. Hein. Ah, mais il y en a plein dans la ville. Oh, on va les prendre, quand même. On va les faire, les quêtes secondaires, non? Je vous retrouve à l'intérieur. Je vais vous quitter. Bon. On devrait les prendre d'abord. Ouais, pour les quêtes secondaires. De toute façon, c'est certainement des quêtes qui vont nous emmener dans la forêt. Hein. Enfin, j'espère. Ouais, ou dans la zone d'avant. Tu sais, finir d'explorer la zone d'avant avec les quêtes, je sais pas. Peut-être, ouais. À mon avis, elles vont être intéressantes, ces quêtes. Enfin, au moins marrantes. Ouais, plutôt que l'intro qui était peut-être un peu longuette. Ouais. Bah Moxie a une mission, déjà, elle c'est la priorité à prendre. La priorité à prendre. Putain, y'a des mecs là. Ouais, Moxie, on va prendre en premier. À la moindre imprudence de votre part, le sorcier vous lavera le cerveau comme il l'a fait avec les nains. Hurrah ! Vous devez nous sauver du sorcier. La reine me manque. Sa beauté illuminait le monde. Les machines à sous. Woot woot. C'est quoi ça? Tinistina loot. Et attends, tu payes avec de l'iridium hein? Ah, payer avec de l'iridium? Ah ouais. Bah oui, regarde. Non, mais j'ai juste envie de voir un peu ce que ça donne quoi. Oh merde.
pas gueuler aux merdes. En même temps, ça s'appelle le... Regarde, le loot explosion, hein. Donc, Oh, putain. Merci. Au revoir. Vas-y, j'essaye, moi aussi. Oh. Oh. Oh, des liasses. Regarde toute la thune. Genre, le mec, il joue une fois et c'est bon. C'est bon, je me casse, tu me dégoûtes. Ah, c'est, j'ai pris la mission, du coup je peux voir les gros seins de Moxie en gros plan. Non mais c'est pas possible, putain. Tu veux mon sniper pour regarder? Je te faire défoncer par ta gonzesse. Les autres, je les embobine avec un petit sourire. J'enronne un coup et ils me mangent dans la main. Mais toi, on sent que tu es... Et toi, on sent que tu es plus solide, miaou. Quel est con. Tu veux bien m'aider? Voici un petit cadeau. C'est la crise, trésor. Depuis que le sorcier a jeté son sort pancake-alyptique, on a presque plus rien à manger. Pancake-alyptique. Si jamais tu croises des pancakes, fais-moi plaisir. Oh, bah tiens, les pancakes, mais voilà. Tout ce qu'il Donc faut il faut les ramasser pour la quête. C'est des pancakes. Tina, tu sais qu'il existe d'autres genres de nourriture, hein? Dis-moi que ton régime alimentaire n'est pas fait que de pancakes. Allez, rassure-moi. Je ne comprends pas ta question. Par contre, l'autre quête, c'était échec ou coup critique. Et elle a dit voilà un petit cadeau, mais j'ai pas eu de... J'ai pas fait attention à ce qu'était l'intitulé de la quête. Ah merde. Parce bah... qu'elle elle l'a pas récité celui-là, elle a, pas, elle a rien dit de plus. Ah ouais. Bah attends. Ellie, ça c'était obligé. Échec critique, ramasser l'arme de Moxie que Moxie vous a laissée. D'accord, donc c'était juste devant, ça se trouve. Ellie sans armure, la meilleure défense. J'ai un problème. Je suis censé protéger cette ville, mais j'ai pas d'armure. Voilà, donc là, il faut qu'on aille dans la forêt. Pour ok. Trouver de quoi protéger ce magnifique matos. Le problème, c'est que, à part si t'as eu une arme, ramasser l'arme comme Moxie. Vous... Bah ouais, c'est peut-être ça. On peut jouer avec elle comme avant. Enfin, jouer. Attention, pas de. Hein. Non, je vois pas. Putain, mais merde. Qu'il faut la trouver. C'est peut-être un. Je sais pas un truc. Attends, dans le bar. Y a rien, je crois. Ah, ah non, ouais, voilà. Regarde, voilà. Et voilà, fallait l'activer pour qu'elle nous dise le texte. Ah ouais. Okay. J'ai eu peur parce qu'il dit il vous suffit juste de la ramasser. Tu me dis merde, elle l'a laissé par terre ou... Ouais, c'était juste parce qu'elle est contente qu'on ait viré les gros lourdeaux. Donc Ellie nous a dit aller trouver une armure dans la forêt. Là, je vais prendre encore une quête qui est de. Ah, bah c'est Torg. Ah, il est enchaîné là. Mais oui, ils l'ont mis au pilori. Une quête de Gueudin, quoi. Mais pourquoi vous jouez, Torg? On sait bien. Même la VF, elle est bien traduite, hein, parce que Gueudin, c'est quand même... Ouais, ouais. On peut pas se débarrasser de l'imposteur, là. Mesdames, mesdames, j'ai une idée. Aventuriers, vous devez trouver les trois questions cachées du geek ultime. Torg, si vous parvenez à répondre à mes trois questions de geek, vous aurez le droit de participer au jeu. Vous avalez cette quête comme un vrai champion! Je parie que oui! C'est vraiment space quand même, hein. Ah ouais. Je vais prendre la dernière quête et puis on va enfin pouvoir avancer, je crois. Ouais. Bah avant, on va ramasser tous les pancakes, hein. Ils sont dans la ville, le pancake. Un petit casse-tête, point d'intuition. Ça, c'est si Reginald von de Battlesby, là, je sais pas quoi. Vous ouais. apercevez, Sir Reginald von Battlesby, aristocrate et maître des énigmes. Si vous parvenez à résoudre un de ces diaboliques casse-têtes, vous recevrez une récompense. Oh, énorme. Sans la reine, ce monde restera dans les J'ai ténèbres. J'ai une énigme pour vous. Je suis tout le monde et personne à la fois. Je suis partout et nulle part. Qui suis-je? Lancez les dés pour vos points d'intuition. Essayez de résoudre son énigme. Je vous répète l'énigme. Je suis tout le monde et personne à la fois. Brick, on n'écrase pas ces dés sur le plateau. L'énigme de Tina. Oups. T'as gagné. Bon, elle est facile en plus l'énigme. C'est une classique, ça. Ah ouais, moi je... Je connaissais pas, tu vois. Résolve l'énigme. Si vous cherchez de la réponse, elle commence par D et rime avec Sharkman.
Alors, c'était quoi la réponse pour l'énigme? Mais... c'est tout, merde. Moi, j'aurais cru qu'il fallait qu'on la trouve, vraiment, la réponse. On la donne. Parce que là, du coup, ça sert plus à rien, son shop, au mec, là. Ben non, il... ouais, c'était un fake. Donc, tu l'as trouvé, l'arme de Moxie, ou pas? Elle est dans la forêt. Ok, donc ça en fera après. Il faut ramasser les pancakes, et c'est tout. Et les nids aussi. Et il y a Foggeek. Foggeek, c'est dans la ville aussi. Donc, au pire, toi, va ramasser les pancakes. J'ai ramassé ceux qu'on a vus là, tout à l'heure. Et toi, va ramasser les autres qui sont à Perpète. Je te rejoins là-bas, quoi. T'as quel con. Je vais mourir. Peut-être pas. Bon, et du coup, je crois que la forêt, bah, ça sera pour l'épisode d'après. Hein. On va essayer de finir ces quêtes qui sont en ville. Je tombais. Et ouais, pour pas que ça dure trop longtemps. Et oui. Ah, parce que... je sais pas presser. Oh, des araignées. C'est marrant, ça. Nouveau. Ah, je vais arriver. Elles font mal. Hein. Ah, mais elles doivent craindre le feu, celle-là. Moi, comme j'ai beaucoup d'armes de feu, ça va faire plaisir. Elles sont corrosives, j'ai l'impression. Ah ouais? Bah, elles empoisonnent, quoi. Oui. Voilà. Ouh, ça leur fait mal. J'ai fait nimp, moi je vais essayer de ramasser des loups. Gare aux oreilles. Quoi, je vraiment, si tu me la tues. Ne bouge pas. Je te soigne. J'étais trop en confiance, je me suis dit, oh, tu parles, la tourelle elle va tout finir tout seul et tout. Non, 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 on n'est pas en chasseur ultime 1 ou en normal là. Ouais, elles sont corrosives, hein. Ça doit être leur poison, mais elles sont corrosives, quoi. Trouver des pancakes au dock. Mais il faut quand même carrément changer de... attends, ce qu'on va faire, on va aller sur... on va faire l'autre quête parce que... elle est dans la ville au moins. Oui, alors que là, il faut bouger de zone, tout à fait. Ah ouais. Puis c'est juste pour des pancakes, quoi, donc... à mon avis, on finit les quêtes de la ville, et après, on se rejoindra dans le prochain épisode. Voilà, qui arrivera... c'est ça, mon... incessamment sous peu, comment dire. Non, non, mais bon, normalement, on devrait vous les faire, vu qu'on a dégagé du temps, on devrait vous en faire peut-être, je sais pas, au moins deux par semaine, quoi. Si tout va bien. Ouais. 2 heures de vidéo par semaine uploadée, ça doit être gérable. Surtout si moi, j'ai pas trop de boulot en amont. À faire 15 000 montages, rééquilibrage de je sais pas quoi. Enfin, alors, si, je sais de quoi, mais j'ai pas envie de le dire. C'est un secret. Oh, il y a des ennemis en face. Mais comment on va au truc? J'arrive pas à les shooter. Ah, la première énigme, elle est là. Trop con. Reste calme. La charge d'ordance. Vous avez trouvé la première question de geek, monsieur Thor. Dans la série Echo, l'aventure spatiale de l'espace, quelle couleur de t-shirt indiquait qu'un personnage était sur le point de se faire manger par un... n'importe quoi, tu sais, les couleurs des t-shirts des ennemis de merde qui meurent, tu sais. Parce que vous êtes trop musclé. On doit vérifier que vous faites pas semblant d'être un geek juste pour être à la mode.
Oh le con, j'ai fait un saut. Ah, je suis pas mort. T'es où? J'ai fait un saut trop grand, je suis en dessous, mais je suis pas mort. Par contre, je dois prendre le bateau, moi, pour pouvoir partir. Du coup, je prends le bateau et... Ressuscite-toi, hein. Je crois que je vais pas avoir le choix. Non. Ah, je crois que j'ai tombé. Oui, mais du coup, ça me met pas au bateau. Non, ça te remet plus loin. Du coup, tu vas faire un quête tout seul, quoi. Ah non. Bah comment je fais? Parce que là, regarde, la quête, elle est plus au bateau. Ah oui, elle est là. Oh putain, faut que je le rattrape, le gars, là. Frappez le voleur. Mais il court trop vite. Ah ouais. Attends, je l'ai niqué, moi. Putain, j'ai loupé, c'est relou. J'arrive pas à le toucher au cac. Je crois que je l'ai démonté. Écoutez, quand j'étais petite, les garçons se moquaient de moi pour deux raisons. Mes tatouages et Bunker et Brutas. J'ai souffert d'être une geek, moi. Vous n'avez pas le droit de vous approprier ma culture juste sous prétexte que c'est à la mode. Nom d'un skag en rut. C'est quoi toute cette aile refoulée? Merde, faut descendre. Ou alors faut appuyer sur le truc. Ah voilà. Ah voilà, là ça remonte. La question elle est dedans. Voilà. Ah bah tu vois, c'est le squelette qui était dans le truc qui tenait la... le parchemin. Dernière question. Dans le 23e épisode de la 15e saison des aventures de la boîte bleue, quel est le nom du vaisseau qui enlève la boîte bleue? Bah je sais pas. Ouh, quel dommage, Torg. On dirait bien que vous n'êtes pas un vrai geek finalement. Mais pourquoi? J'aime juste la science-fiction et la fantasy et les licornes et toutes ces conneries. Pourquoi je peux pas jouer avec vous? Oh, wow, je suis pas super fière de moi. Torg, je suis désolée. Vous pouvez jouer avec nous, y a pas de problème. Vous pouvez nous donner des quêtes secondaires en ville, ce genre de truc. Super! Non mais c'est vraiment un truc de gamin de 3 ans quoi. Attends, tu sais, un caprice et tout, mais c'est abusé franchement. Stop à la discrimination. C'est trop cool les gars. Aussi vrai que je m'appelle Monsieur Torg. Attendez, je pense à un truc. Votre prénom c'est Monsieur Torg. Mais alors c'est quoi votre nom de famille? Flexington. D'accord. T'as vu ça? MMO, RPG, FPS. Chasseur de l'arche niveau 52, charge groupe, fusil de précision non fourni. Faut quitter du schnock. Je sais très bien que vous le tuiez, qui est planqué dans le coin. Fin du briefing de quêtage. De quêtage. Abusé. Oh, énorme, énorme. C'est où? C'est dans la forêt? Ouais, à mon avis. Attends, elle. Immortal Woodland. C'est pareil que dans Échec Critique, en fait. C'est vers la forêt. Du coup, on a plus de quête en ville. Et ben du coup, c'est comme ça qu'on va conclure ce premier épisode 2. Alors c'est quoi? Merde. Parce que du coup, c'était pas la bonne VF, c'était quoi? Et le... L'assaut de Tina sur la forteresse du dragon. T'es sûr que c'était la forteresse du dragon? Ouais, c'était forteresse et... D'accord, forteresse, ouais, ok. Donc c'était le premier épisode. L'assaut Tina contre... sur la forteresse du dragon. Et puis on se retrouve très bientôt pour un épisode 2. Au revoir, Gouimage. Au revoir, Moumoune.